On y pense, mais on n'ose pas trop passer à l'action. Alors, au début, effectivement, c'était un peu flou. Et puis surtout faire confiance. Allez, ben, tu m'as beaucoup aidée pour ça, alors merci Marie. Allez vraiment chercher ses forces. Quelles sont qu'est-ce que je sais faire et dans quoi je me sens vraiment à l'aise? Et le projet qui me tenait vraiment à cœur, c'était développer les compétences psychosociales. Alors là, c'était vraiment auprès des enfants, puisque c'était dans le milieu dans lequel je baignais. Mais avec les contraintes sanitaires, économiques, politiques, sociétales, eh ben, ça n'a pas pu se déployer. Et en fait, la rencontre que j'ai eue avec toi, Marie, a été la révélation dans le sens où, et pourquoi pas sur le web. C'est peut-être la clé qui manquait, la pièce du puzzle manquante par rapport à ce qu'on fait à l'école. Et je trouve ça passionnant. Et c'est rassurant d'avoir ces deux aspects-là, d'avoir du présentiel, mais aussi une activité en ligne. On se sent à sa place. J'accompagne les enfants qui ont des difficultés scolaires, avec ou sans handicap, à progresser dans leurs apprentissages. On travaille à partir des fonctions cognitives, des intelligences préférentielles. Ça a été une sorte de déclic. Je me suis dit, tiens, pourquoi pas passer de l'univers des enfants, des adolescents en l'occurrence, à l'univers adulte qui a aussi besoin d'aide. Donc là, en ligne, je proposerai des coachings de parents pour les aider vraiment à se recentrer sur eux-mêmes et à mieux vivre tout court, à mieux vivre pour mieux vivre leur parentalité et à mieux aider ensuite leurs enfants. Moi, j'ai commencé en fait à coacher une collègue, justement. J'ai demandé dans la salle des profs si quelqu'un était intéressé. Elle a dit oui, moi, je veux bien. Donc, du coup, j'ai commencé à la coacher et ça a été pour elle, mais fantastique, hein. Elle a été vraiment transformée. Et donc, pour moi, vraiment, ça a été surprenant de voir à quel point ça pouvait fonctionner. Le côté du marketing, tout ça, tout ce milieu-là qui, moi, je me mettais vraiment une distance parce que bah, j'aimais pas ce côté commercial, vendre à tout prix et tout ça. Et en fait, j'ai découvert un milieu humain, un milieu où on apprend plein de choses sur soi, sur les autres, qui n'est pas forcément, comment dire, vendre à tout prix. C'est le côté humain, c'est le côté où on veut rendre service, on veut proposer ses services. Et c'est vrai que moi, c'était ce côté-là, le côté altruiste qui était fondamental. Grâce au coaching qu'on fait et à l'émulation de notre petit groupe, j'ai créé cette communauté, pas dire sur un coup de tête, mais presque à me dire, bon, bah voilà, ça y est, c'était le moment, il faut se lancer, il faut partager tout ça, il faut partager cette expérience. Et donc j'ai créé ce groupe qui grandit de jour en jour et là, j'ai l'impression d'être vraiment moi-même et de vraiment pouvoir m'exprimer. Et c'est vraiment valorisant, enthousiasmant, motivant. Voilà, on se dit, je suis sur la bonne voie. C'est vrai que là, il y a vraiment une évolution importante. J'ai quand même beaucoup plus confiance en moi, on va dire. Je me sens plus comme l'imposteur, le syndrome de l'imposteur, comme si j'étais pas à ma place. Je me sentais jamais à ma place, en fait. Et là, j'ai l'impression de trouver ma place. Le web, ce que je disais tout à l'heure, moi, ça a été vraiment un révélateur. J'ai rencontré des personnes que je n'aurais jamais rencontrées. Ouais, on crée des liens. C'est pas ce que j'ai connu dans mon ancien métier, quoi. Et finalement, même s'il y a un écran interposé, on peut créer du lien. On était dans cette routine, voilà, et tout d'un coup, wouh, il faut y aller, et là, c'est génial, quoi. Ça rebooste, ça nous donne un nouvel objectif, quelque chose de nouveau. Et accompagné avec toute la communauté, c'est vrai que là, c'est fantastique, quoi.
grâce à toi, j'apprends à plus se canaliser, à choisir, se focaliser et à planifier. On est vraiment bien coaching, justement, bien motivé, etc. Et puis c'est vrai que beaucoup d'entraide, beaucoup. Et moi, j'adore justement ce côté. Il n'y a aucun jugement. Il y a vraiment, c'est vraiment très très encourageant. Très. Moi, je trouve que c'est extraordinaire. Vraiment, merci à toutes.